Monsieur Favriel Ulysse. Demande de liberté sous contrainte. Madame le procureur, pouvez-vous lire le dossier, s'il vous plaît? Le chef de bâtiment le décrit comme détenu modèle. Monsieur Favriel est domicilié à Paris 18e, chez sa mère. Celle-ci, semble-t-il, souffre d'une dépression chronique. Elle est sous tutelle. Ouais, bah. Il est conscient de la situation. C'est sa mère, c'est un moteur pour lui. Il a un projet professionnel qui paraît tenir la route. Tout à l'heure dans les règles. Madame le procureur, que pensez-vous? Je suis contente de te voir. Moi, j'ai pas un mois ou deux. J'ai même pas 15 jours devant moi. Faut que je trouve une assistante à domicile pour ma daronne. Je fais comment sinon? J'attends qu'elle aille en HP et qu'elle se foute en l'air, c'est ça? Calme-toi, reste là. Tu vois, il y a que la famille qui reste. Et ça, faut que tu comprennes. Bon, la kétamine, on la touche à 2000 euros. Et on peut aller jusqu'à 10 000 de chiffre d'affaires. Si on est malin, on sort un bon bénéfice. Ils t'ont accordé une perme? Comment ça, une perme? Je suis sorti hier, maman. Toi, tu fais comme tu veux. Hein. Moi, j'ai pas le choix, en fait. C'est simple, là, ce que t'es en train de signer, c'est ton contrat d'embauche. L'ENCA? Ouais, l'ENCA, avec un K, comme kétamine. Fais un bisou. Ça porte bonheur.